Salut à tous, donc on se retrouve pour le troisième épisode donc de notre série sur Civilization 5 avec Ramsès. Voilà, donc là on va faire carrément une cité, enfin une académie. Il va en avoir encore une là-bas. Ça va être totalement violent. Lui, on va claquer un âge d'or. Lui, il peut aller avec Mani qui est juste à côté. Je trouve ça plus intéressant de faire très peu de distance, ça veut dire de se faire piller, etc. Là, je vais laisser Alexandrie et Éléphantine voisines. Donc là, par contre, je vais plutôt faire la production, même si on a déjà pas mal. On va partir sur un marché. Ici, sur une bibliothèque. Ces élections sont truquées, ça c'est très bien. Car il me faut cette ville. Là, on va faire une route commerciale afin qu'Alexandrie soit aussi reliée. Bah, tout simplement à tout le système commercial. Donc, avoir des bonus vu ce qu'on a pris précédemment avec les doctrines. On va partir aussi pour s'occuper de la ville. Mais je pense que je supprimerai des ouvriers plus loin dans la partie. Car j'ai pas besoin d'en avoir autant. Et apparemment, à Alabama, je serai obligé de le faire donc dans ma deuxième ville. Qui s'appelle Memphis. Voilà. New York aussi qui a sacrément grossi. Thèbes qui est aussi vachement grosse comparé à ce que je fais d'habitude. Le Galerie des Offices, ça peut être très intéressant, c'est le Taj Mahal pour moi. Nous allons partir sur ça. Par contre, d'un point de vue militaire, je pense qu'on passe largement derrière. Non, on est quatrième, ça va sur 6. Point d'alphabétisation, on est premier. Victoire aussi. En même temps, vu la taille de la carte, je dois déjà avoir bon, on va dire un bon quart. Ce qui est vraiment pas mal pour un début de partie. Thèbes aussi qui va devenir énorme niveau territoire. Et pour l'instant, ils ont mis toutes les merveilles juste à côté. Et apparemment, je ne peux plus le faire. Bon, c'est pas grave. Donc, nous allons partir sur une deuxième caravane. Parce qu'on peut encore avoir trois routes commerciales. Donc, autant aller le plus vite possible, avoir plus d'or possible dès le début. Les ouvriers aussi bâtissent très vite. Et tant qu'ils ne me rasent pas, bah, littéralement des forêts, moi, ça me va. Enfin, en tout cas pour la production. Bruxelles, c'est pour les doctrines. Bon, je peux très bien m'allier avec, en fait, j'ai pas... Je pourrais. J'ai largement de quoi faire. Voilà. Et nous allons protéger Bruxelles. Par contre, j'ai plus de troupes à distance. Ça, je n'avais pas fait attention. Ainsi que Monaco et Vinulus, pour être sympa à avoir en allié. Personnellement, j'aime pas trop m'en prendre aux cités-états. Là, j'accepte. Voilà, ça c'est fait. Et je pense aussi qu'ils veulent que l'on détruise le campement barbare qui les embête, mais je sais pas où il est. Toujours aller voir en envoyant mes chevaliers.
Après, ils veulent une route commerciale, donc ça peut être très rapide aussi à faire. Vinilus aussi. Donc ça, c'est comment gagner de l'influence facilement. Is the following. Et j'ai vu qu'il y avait Carthage qui tournait autour de l'île. Faut aussi se méfier. Mon prophète, il va aller se balader au milieu des gens pour explorer, couvert par des chevaliers. Ah, j'ai pas vu aussi que je m'étais autant étendu là. Ça fait toujours plus de territoire. Tant que personne m'en veut, ça devrait aller. Oh, Marc. Tout le monde, j'ai l'impression, ils vont tomber dessus. Ça va être joyeux. Faut que je me prépare militairement. Oula. Beaucoup de choses à gérer. Le PC, il a un peu de mal. Mais ça tourne quand même sacrément bien. Donc là, on va faire un cercle. Enfin. Il faut faire des unités militaires. Oui. Elles arrivent. Les croissances, ça aussi c'est bien. Puis je pense partir sur de l'honneur. Tant qu'on n'a pas les idéologies. Qui vont pas arriver avant un bon moment. Je trouve ça quand même assez drôle qu'on puisse faire toutes les idéologies, mais je ne pense pas. Ça va monter quand même assez vite. Après, bah, le prophète, je vais pas non plus mettre sur mon territoire, parce que j'en vois pas vraiment l'intérêt. Il faudrait limite que j'aille convertir à les villes là-bas. Ou Constantinople, ça pourrait être sympa. J'explore le territoire en tout cas de façon religieuse. Donc on vient aussi d'acquérir de l'ivoire. Ça c'est les ressources qu'il faut retenir pour ne pas les supprimer. Surtout quand on aura un congrès mondial plus tard. Là on a le Taj Mahal, mais je préfère le construire dans ma capitale. Ça sera que plus rapide. On va faire quand même un hôtel. Et nous allons partir sur le château Elimine, donc pour la défense. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai rien construit. Les autres aussi, ils ont l'air de ne rien avoir construit. Oups. J'ai demandé à l'Américain qui me cède le libre passage. I'm listening. Is the following trade of interest to you? No. Pierre, je te déclare la guerre. Is the following trade of interest to you? Bon, tant pis. J'ai cédé 2 d'or. Allez, mano contre mano. Tadam! Et lui, il va se replier. Enfin, pas se replier, mais se retrancher. Donc, toutes les cases ici, on peut rien mettre. Je pense que je mettrai des. Bah, tout ce qui est illustre en fait dedans. Mais plus niveau ingénierie. Le Taj Mahal, voilà. Qu'il arrive, il est là, il est frais. Tout beau, tout propre. Manille, bah, il est déjà allié à quelqu'un. Vinulus, il veut de l'argent. Ce qu'on va faire. Monaco aussi. Voilà. On a déjà un territoire beaucoup trop gros. Surtout pour une début de partie. Enfin, après, je suis pas habitué à ça.
Et heureusement aussi que j'ai escorté donc mon ouvrier illustre. Enfin pas mon ouvrier illustre, mon prophète. Car sinon il serait déjà mort. Je me demande aussi si je peux pas rusher une victoire culturelle dès le début. Ça pourrait être assez drôle. Parce qu'on pourrait faire une très grosse série pour avoir 300 merveilles. Je sais pas si c'est vraiment utile aussi. Donc je vais jouer de la musique pour les Américains. Là, comme se replier, sera mieux pour se soigner. L'université, bon, on va la faire. J'ai plus beaucoup d'art. J'ai tout cramé pour les villes. Enfin, les cités-états plutôt, si on veut être précis. Et un ingénieur illustre, un. Donc, accélérer comme ça, ça me sert à rien. Donc on va aller en installer plus loin. In the name of God. Bon. Oui, ça me fait penser à Powerwolf, il faut pas chercher à comprendre. Ou à Bob Lennon avec son let's play sur For Honor. Enfin pas son let's play mais ses aventures. Avec son chevalier Playmobil. Oui, c'est des pubs de gens que je regarde. C'est un peu bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est plus ma vie. Comme je ne pouvais 15. Bon, quelque chose me dit que ça va vite se finir. Ce tombeau sera votre tombeau. Oula. Là, je suis vraiment de bonne humeur. Je pars un peu en cacahuète. Ensuite, démographie. On est vraiment pas mal sauf en militaire. Et on a déjà 17 villes sous notre contrôle. Ce qui est, je trouve, énorme pour bah, pour l'endroit où on se trouve actuellement. Niveau recherche, etc. Non, je veux juste de l'or. Juste être riche. Pour la Renaissance, je trouve ça quand même déjà pas mal. Oui, j'étais en train de me dire un barbare à l'assaut, mais en fait non. Sinon, j'allais taper l'Ethiopie, mais ils allaient pas être très contents. Ah, non. Tu te calmes, le cavalier. Fais pas la guerre à tout le monde. Du coup, si j'ai une surproduction pour à peu près tout. Même l'or, je trouve ça énorme dès le début. Ah, ça par contre, c'est très intéressant. Donc, on va s'en occuper en 9 tours. En principe, je ne vais pas être très embêté. Pour l'instant, je fais surtout que des fermes. C'est génial. Par contre, il faudrait une cité-état militaire en allié. Ça pourrait pas mal aider. Puis mon territoire qui devient juste beaucoup trop gros. Parce que ça, c'est Memphis qui s'étend. Non. Alors c'est. Et à qui appartient cette case? Je. Oui, j'ai juste beaucoup trop d'influence, ça s'étend de partout. Donc je sens qu'à la fin ça va faire tout autour de Bruxelles, enfin j'espère pas, ce sera un peu bizarre.
Donc là, on va un peu aider les villes qui ne sont pas converties. Ah, là par contre ça sert un peu à rien ce que je viens de faire. Double amélioration. Allez. On part sur du militaire. Enfin, je pense pas aller jusqu'au bout du militaire, mais... Ouais, vous avez compris. Shlam aler. Darius. Malek Malkaya Paresh Rabba. Lehem Fena Yedat. Et où es-tu? Ah oui. Donc, je pense que lui est sur son île. Tranquillement. Et donc là, on a découvert tout le monde. Donc je pensais qu'on aurait les Irlandais, mais en fait, non. Ce n'est pas grave. Oh! Très intéressant. Et par contre, qui a sa religion? Donc il y a l'Inde. D'accord. Bon, on devrait un peu s'amuser. Oula, je suffit prendre Monaco ou non, c'est bon. Donc on va la racheter juste après. En plus, on aura le bonus d'or, donc ça va juste être multiplié. Voilà. 191. Pourquoi pas. Hong Kong aussi. Donc je pense qu'il doit être tout là-bas au fond. Je parle pour Persepolis. La Perse. Oui, j'ai des noms comme ça, je l'ai dit, mais... Une fois que j'ai dit, j'ai le nom en tête. Donc là, on va faire un trébuchet quand même. Il faut avoir un minimum d'armée. Il faut pas abuser. Je peux encore aussi m'amuser avec deux routes commerciales. Bon, d'ailleurs, ce que je vais sûrement faire... New York a carrément envahi des îles, mais perdu. C'est, oui, quand même assez surprenant, bah, en tout cas pour moi. Et apparemment, dans Hong Kong, il veut déjà se faire convertir. Ah non, d'accord. Ok, ok. Apparemment, en même temps, là, je suis dernier parce que... La Perse, ils sont largement devant. Les ouvriers vont se taper dessus. Non, ne vous tapez pas. Lui, il va aller s'occuper des cases tout là-bas perdu. Et je vais vite être débordé. Bon, je veux bien ton sel. Là on a des canons, donc normalement la construction que j'avais lancée ça devenir des canons. Là l'Indien va vouloir nous faire la peau, mais c'est pas grave, tout est prévu. Là on va faire l'engrais, on va juste démultiplier encore nos progressions. Là il veut pas me faire la peau. Et voilà. Quand je me pose la question, est-ce qu'en victoire culturelle... C'est vrai qu'on est quand même pas mal, hein. Non, bon, on est quand même très loin. Et vous pensez que si j'influence totalement les Américains, ça pourrait être drôle? Ήκουσα σε πρέποντα Θεσσαλωτρίας ομιλίας. Με δείξας. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû accepter. J'avais pas tout regardé. Oui, oui, ils iront vers d'autres contrées. Genre vos voisins. Oh. Encore. Mais. Bon. Je fais âge d'or sur âge d'or.
Pourquoi pas? Je ne vais pas me plaindre. Donc là, on va faire monument historique. Là, j'ai vraiment le double de puissance. C'est totalement abusé. Les Américains, ils en ont même pas 300. Mais s'ils deviennent totalement influencés, je. D'accord. Va déjà avoir les premiers congrès mondiaux. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de tours du congrès mondial. Et là, ça serait drôle, victoire politique dès le troisième épisode. Hey! Ah! Mais oui. Je ne sais pas ce que Byzance a découvert. Ceux qui seraient ravis. Mettre en colère. Bon, on va mettre ça. Allez. Un truc que tout le monde s'en fiche. D'accord, elles sont vraiment sur Nil en fait. Oh, ça va être joyeux. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de monde. Bon, par contre, sinon, lui va me dénoncer. Si là, je convertis en plus bombé, il va me frapper. Là, il y a un Américain qui vient explorer en mode hey, s'il vous plaît, je veux du territoire. Bon. Par contre, ça pourrait être drôle que j'aille prendre le pierre précieuse qui sont tout là-bas. Vous voyez, là, je suis carrément en dehors des limites de la carte. Mais c'est totalement OP en fait ce personnage. Je sais même plus quoi faire de mes unités. Par contre, j'ai pas du tout l'armée qui va avec le territoire, ni la puissance. Par contre, les Chinois, enfin les Japonais sont vraiment en train de partir nettement devant niveau puissance. Et Carthage a quand même une bien plus grosse population que moi. Bon. Du coup, là, nous allons partir. Alexandrie. Ah. Alexandrie, il faudrait peut-être que je finisse. Bon, ça va finir en même temps. Oh oh. Apparemment, ils ont qu'une seule ville. Oui, là, pour un seul, ça vaut vraiment pas la peine. Donc je sens que je vais l'envoyer dormir ici. Toi, tu vas faire pareil. Parce que je ne sais pas quoi faire de mes troupes. Lui, il va aller là. Lui, il va continuer à explorer le monde. Ouf. Tour penché, Gandhi qui finit. Ah! Pas bon ça. En train de me faire rattraper. Enfin, pas non plus énormément, mais. Alexandrie. Alexandrie. Non, ça va. Donc on va acheter un marché. Parce que l'économie, c'est de bien. On va refaire un autre tombeau. Donc on va enfermer beaucoup Astérix. Une excuse. Non, t'es juste enthousiaste parce que je suis ultra puissant. Là, lui, il a peur. Lui, il est normal. Eux, ils sont tous en mode aïe aïe aïe, toi qui nous tape pas dessus. Ça va. Voilà. Mon prophète, je sais pas trop ce qu'il fait. Une nouvelle cité-état. Et donc, bon, je vais faire deux caravanes de plus. Mais cette puissance dès le départ.
En fait, j'aurais dû me mettre dans une difficulté supérieure, pas en prince. C'est pas bien grave, je saurai la prochaine fois que je jouerai l'Egypte. Ils sont juste OP. Voilà. Moi, je suis en train d'aménager les cases, mais je ne sais même pas si elles vont vraiment servir. J'ai des villes qui sont beaucoup trop grosses. Si on dort de la capitale, ça pourrait être drôle. En fait, je sais pas du tout quoi faire. Ça, par contre, c'est énormissime pour le bonheur. Bon, on va s'amuser un peu à faire aussi le commercial. Parce que l'argent, c'est bien. Enfin, c'est bien, ça dépend. Trop d'argent, c'est chiant. Mais dans civilisation, on n'a jamais trop d'argent. Hong Kong? Je suis trahi par Hong Kong, ils sont où? Ils sont là-bas. Ah bah non, en fait. Non, non, c'est normal. Toi, ouvrier, et je suis déjà à l'ère industrielle. Oui, je réagis un peu en retard. Ça, c'est pas non plus trop en retard. Il peut y avoir pire. En plus, on a Oxford. Oui, par contre, j'ai un peu trop rushé là. Et oulala. Ah, c'est avec l'imprimerie qu'on a le congrès mondial. Oui, je découvre en plus des technologies futuristes. Si tu veux. Bah voilà. Sur mon île, ils ne font plus qu'un. Bonjour le Brésil. Ah. Donc là, ça rend une toute petite île. Lui, par contre, on va le faire changer d'île. On va aller à Héliopolis. Voilà. Et on va s'en faire un supplémentaire. Comme ça, on sera maximum de production d'or. Déjà qu'on est assez élevé. Et je dois aussi m'occuper de mon espion, qui risque d'être mis sur Thèbes. Il va y avoir pas mal de surprises à mon avis au bout d'un moment, avec des vols de technologie par milliers. Bon, c'est pas très rentable, mais c'est pas grave. Oh, la guerre des chèvres. Oui, je n'avais pas d'inspiration. Excusez-moi. Des prophètes, oui, c'est ça. Donc là, on avait deux prophètes. Là, on a. Et ils veulent prendre mon territoire. C'est. Et puis là, je refais la même boulette. On va aller dormir à New York. Oui. Je suis la mort. Ou pas, parce qu'en fait, pensant, je suis ultra pacifique. Malgré tout, je pourrais partir sur l'ultra militaire et raser tout le monde, en fait. Alors, vous me direz ce que vous voulez voir. Soit on continue et puis je me surdéveloppe. Mais les doses. Ou soit je me dis, je vais juste tout raser. Parce que c'est drôle. Donc je ne pensais pas que la série partirait comme ça. Mais c'est la vie, et je me suis même pas occupé des perles. Je viens seulement de voir ça, mais c'est vrai. Ça pourrait être quand même intéressant de s'en occuper, mais bon. Le grand temple, bah, il manque deux tombeaux. New York et Alexandrie.
on va pas vraiment s'embêter en fait, je pense. Donc, New York est en retard et Alexandrie. Il va acheter aussi une pangole au passage. D'ailleurs, je peux m'en acheter plusieurs. C'est vrai. On va passer au moment achat. Même si c'est un peu embêtant. C'est pas bien grave, comme ça on refait le grand temple. Enfin, pas on le refait, mais du coup on le fait. On le lance. On le... Mais... Il sort d'où, lui? Ah, d'accord, c'est Rio. Mais il est embêtant. Est-ce que je peux passer? Mais... Je vais me laisser faire. Mais non. Mais j'ai le libre passe. D'accord. Bah oui, mais aussi, reste caché là tes unités. J'y peux rien, moi. Par contre, toi, t'es moche. Je sens que je vais te claquer mon prophète dans la figure. Non. Ouais, bah, salut. Hein. L'Éthiopie et le Brésil font un accord de recherche. Tac. Et oui, j'avais pas vu aussi le temps de la vidéo, mais je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Et pour cette série qui a l'air d'être partie totalement en steak. Littéralement, au niveau de la puissance, vous pouvez largement le voir. Même si je commence à me faire rattraper. Je vais bien te donner libre passage, moi ça me dérange pas. Mais j'ai vraiment explosé les chiffres. Zikre, un chef d'œuvre. Et il aurait en somme pas. Bon, lui, il va dormir ici, parce que je sais pas quoi lui faire. Lui, il va nous faire un colisée. Parce que le bonheur, c'est bien aussi. Oui, on va regarder, je peux encore faire tout ça. Moi, je vais m'amuser à les faire. Et écoute, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, si ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine, salut!